Naturel, c'est une entreprise qui existe depuis 2004. C'est une petite entreprise aveyronnaise. Deux magasins, un au-dessus de Rodez, à Liujas, et un second à Albi, qu'on vient juste d'ouvrir. Donc, notre métier, c'est la vente de matériaux écologiques pour la construction, l'isolation, la décoration, et bien sûr, donc, tout ce qui va tourner autour de l'entretien du bois. Voilà. On va faire, évidemment, puisque c'est le thème de la journée, un zoom spécifiquement sur ce qui concerne le bois. Alors surtout n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, hein, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Pour ce qui est de l'entretien du bois, on va parler de deux choses. On va parler d'abord de l'entretien, de la protection du bois contre les parasites, et puis on parlera ensuite de l'entretien et la protection du bois contre les intempéries. Hein. Aujourd'hui, avec les matériaux écologiques, j'aimerais dire qu'on peut à peu près tout faire. On a une gamme qui est très très large. Et on a vraiment la possibilité d'aborder dans la construction tous les thèmes. On connaît tous pour la protection contre les parasites le xylophène, et qui, tant mieux, se vend de moins en moins. Et aujourd'hui, on a une alternative qui sont des produits qui vont agir en fait par minéralisation, sans biocides, sans fongicides. Voilà. Donc on ne tue pas, on va simplement rendre le bois incomestible. On va avoir les parasites légers, hein, les vrillettes, qui font des tout petits trous, qui ne sont pas dangereux pour la structure du bois, que l'on va traiter avec un produit qui s'appelle le HME, qui est faiblement concentré, que l'on va pouvoir appliquer au pinceau, en injectant directement dans les trous où on va avoir des parasites. Et comme ça, on va pouvoir traiter contre ce parasite qui n'est pas très très dangereux. On est sur des produits qui ne vont pas changer la couleur du bois, on verra que d'autres peuvent le faire. Et ainsi, on va pouvoir protéger les bois, et là je parle surtout en intérieur, contre d'éventuels parasites qui pourraient attaquer donc notamment la vrillette. Si on a du capricorne, si on a des termites, si on a d'autres parasites un peu plus dangereux, un peu plus agressifs, voire des termites qui peuvent aller jusqu'au cœur du bois, qui ne vont pas se contenter de rester simplement sur l'aubier, là, on a un autre produit qui, lui, est beaucoup plus concentré, s'applique de la même manière, hein, sur un bois sec, sain, propre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait évidemment d'autres produits, sinon les produits ne pourraient pas pénétrer. Et du coup, avec ces deux produits-là, on va pouvoir traiter contre les parasites, encore une fois, sans poison, sans biocides, sans fongicides, on agit par minéralisation. C'est-à-dire qu'on va durcir le bois, le rendre totalement incomestible pour le parasite. Donc de fait, eh ben, il pourra plus se nourrir, soit il est dans sa dernière phase, il se transforme en papillon ou autre chose, il s'en va, soit il meurt de faim puisqu'il pourra plus se nourrir du bois, en tout cas que ce soit l'aubier, ce dont il vient chercher, en tout cas pour se nourrir. Voilà. Donc le premier problème donc, qu'on rencontre avec les bois, ça va être ça, hein, ça peut être effectivement l'attaque de parasites. Et aujourd'hui, donc avec ces produits, des produits naturels, sans odeur aussi, c'est important à préciser, on va pouvoir protéger les bois, donc faire du préventif ou du curatif, notamment quand on est sur de la rénovation, par exemple, des fois on peut avoir ce type de parasites. Alors, ça fonctionne aussi contre les champignons lignivores, la tristement célèbre mérule, par exemple, ce sont des produits qui vont là aussi stopper le développement de la mérule. Donc comme je disais, on peut les appliquer de toutes sortes, hein, en pulvérisateur, on va pouvoir les appliquer avec un pinceau, on peut mettre des injecteurs, c'est-à-dire pour essayer d'aller un peu plus en profondeur. Les points de vigilance avec ces produits-là, s'ils sont vertueux, puisque sans biocide, sans fongicide, mais ils agissent, comme je disais, par minéralisation, si vous avez une goutte de ces produits qui tombe sur du verre, des lunettes notamment, sur un miroir, sur une vitre ou quoi, et qu'on la laisse sécher, ça durcit et ça minéralise. Donc la tâche est indélébile. Donc il faut être, c'est juste, je dirais, le seul point de vigilance de ces produits-là, c'est qu'on peut, on peut parfois avoir des tâches indélébiles, notamment sur le verre, les miroirs, suivant comment, à quel stade en est la maison lorsqu'on fait le traitement. Est-ce qu'après avoir mis ça, on peut mettre d'autres choses? Oui,
ça ne dénature pas le bois, évidemment, ça le consolide, bien au contraire. Donc c'est vraiment une action positive, puisqu'elle le consolide tellement que les parasites ne peuvent plus le manger. Donc ça consolide le bois, ce qui fait que derrière, ben, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir, s'il y a des trous, mastiquer, poncer, on va pouvoir faire toutes les réparations que l'on souhaite faire après. Ça ne gêne absolument en rien. On a durci le bois, on l'a rendu incomestible aux parasites, mais il continue à garder toutes ses propriétés naturellement, même en un peu plus dur, et on va pouvoir le réparer s'il y a besoin de le réparer, s'il y a des gerbes, des fissures, des nœuds que l'on souhaite réparer, on va pouvoir le faire. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces produits-là, si vous avez déjà eu à rencontrer. Les réparations, ben de la même manière, pareil, il existe des produits là aussi naturels, donc qui vont être soit des pâtes à bois, soit des mastiques à bois, que vous allez pouvoir appliquer donc dans les trous, et donc en fonction de l'épaisseur à réparer, on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre, entre la pâte à bois et le mastique à bois, c'est plutôt la taille des réparations à apporter qui vont déterminer plutôt un produit que l'autre, et eux aussi restent évidemment complètement ponçables, on pourra clouer, visser, on pourra protéger ces bois après, huiler, lazurer, vitrifier, faire ce qu'on veut dessus, il n'y a aucun problème, on vient juste réparer là où il y a lieu de réparer. Ça c'était sur la première partie de l'entretien du bois, c'était donc sur la partie « J'ai des parasites, je souhaite protéger mon bois contre les parasites ». Et là donc on a vu les deux produits qui fonctionnent encore une fois sans biocide, sans fongicide. Ensuite on va avoir à protéger contre les intempéries. Alors les intempéries, parce que je ne sais pas comment le dire autrement pour l'intérieur, en tout cas pour autre chose que pour les parasites. Donc on va avoir à traiter le bois différemment suivant si on est en intérieur ou en extérieur. Pour la mécanique, on va avoir grosso modo deux grosses mécaniques. On va avoir les filmogènes et ce qu'on appelle les imprégnations ou les saturateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui vont être, par exemple, les vitrificateurs ou les vernis. C'est pas parce que c'est un vitrificateur ou un vernis que c'est pas écologique, il en existe, hein, qui sont faits en phase aqueuse et qui sont très bien, avec pas ou très peu de COV, qu'on va pouvoir appliquer. Et là, on va appliquer ces produits en couches généreuses pour avoir une protection du bois. C'est une mécanique qui consiste effectivement à passer deux voire trois couches, vernis, vitrificateur, pour pouvoir protéger le bois. D'accord ? Là, le produit, il vient s'accrocher sur le dessus du bois. Il ne pénètre pas profondément. D'accord ? Il vient s'accrocher dessus. C'est la différence avec les imprégnations. Alors c'est vrai que souvent on parle de lasure, de saturateur, d'imprégnation. C'est un peu comme frigo, frigidaire ou mobilette. Il y a des noms propres qui sont devenus des noms communs. Et finalement, voilà. Donc du coup, pour la protection des bois en intérieur, pour des meubles, on va parler de vernis. Pour des sols, on va parler de vitrificateur. À peu de choses près, c'est le même produit. On est sur des produits qui sont filmogènes. Ça veut dire qu'ils forment des pellicules en s'accrochant sur le bois. Évidemment, ils vont être très imperméables, donc c'est très bien. Si on renverse quoi que ce soit de liquide, ça passera pas et on pourra très facilement nettoyer. Si on fait tomber quelque chose de lourd, ça poinçonnera, parce que voilà, malgré tout, si c'est lourd, même si c'est une pellicule sur le dessus, ça poinçonnera et ça, on peut bien y faire. C'est des produits aujourd'hui qui sont développés en phase aqueuse, il n'y a pas de solvant, on a des produits qui n'ont pas d'odeur ou très peu, souvent c'est avec des huiles de soja, qui sont incolores, et que l'on va pouvoir donc appliquer soit sur des meubles, soit sur des sols. Pour l'entretien, on est sur des produits qui s'entretiennent tout à fait facilement, c'est pas parce qu'ils sont voilà, d'origine naturelle, écologique, mais avec des produits qui sont plus fragiles. Ça va être le balai, l'aspirateur, la serpillière, un chiffon et on va pouvoir les entretenir, nettoyer nos meubles et nos sols tout à fait naturellement. On ne changera pas ses habitudes, on le fera comme on le faisait. Voilà. Ça c'est pour ces produits filmogènes. Alors l'inconvénient des filmogènes, c'est que notamment pour les sols, la question qu'on se pose toujours c'est combien de temps ça dure.
Ça va dépendre du passage. Et c'est vrai que ben, un couloir d'entrée d'une maison en rez-de-chaussée où il y a une famille nombreuse et où on va et vient beaucoup, et ben, il faudra peut-être y revenir tous les 2-3 ans, ou 4 ans ou 5 ans, ça va dépendre vraiment de l'usure. Et puis si vous êtes sur une pièce à un faible passage, ça peut durer 10 ans, voire bien davantage. Alors, la différence entre une imprégnation, je vais en parler, et l'inconvénient, je dirais, des vitrificateurs ou des vernis, même pour les écologiques, c'est que il faudra tout poncer. C'est-à-dire que si c'est usé à un endroit, on ne peut pas réparer. C'est pas possible de pouvoir réparer. Il faudra de toute façon tout repenser. Encore une fois, comme je disais en démarrant, c'est que les fumigènes viennent se fixer sur le bois, ne pénètrent pas profondément dans le bois. Alors quand je dis profondément, je parle en millimètres, bien sûr, mais de fait, un vernis sur un vernis, ça ne marche pas, un vitrificateur sur un vitrificateur, ça ne marche pas. Donc lorsque vous aurez, si on fait le choix d'aller vers un vernis pour un meuble ou un plan de travail en cuisine, par exemple, ou en salle de bain, ou un vitrificateur pour un sol, voilà, il faut se dire que le jour où ça sera usé, eh bien, il faudra tout poncer et tout retraiter. Voilà, c'est je dirais, peut-être une contrainte ou en tout cas une particularité dont il faudra tenir compte. Ensuite, on a les imprégnations. Donc les imprégnations, on parle souvent de l'azur, de saturateur, voilà, on entend parler de choses comme ça. En fait, ben c'est la deuxième mécanique, c'est celle qui consiste non pas à faire une pellicule sur le dessus du bois, mais bien à le pénétrer profondément. 1, 2, voire 3 mm, hein, ça ne va pas non plus très en profondeur. Et là, on va protéger les bois donc en les saturant avec des huiles. Alors très souvent, c'est de l'huile de lin. Ça peut être de l'huile de soja aussi, comme je disais. Et là, on va protéger les bois donc en déposant en deux fines couches. C'est là aussi toute la différence, et c'est souvent là qu'il y a des soucis. C'est quand on dit, je comprends pas, je l'ai mis, ça pègue, ça colle, j'ai arrêté. Donc, c'est qu'en fait, oui, pour les filmogènes, vernis, vitrificateurs, il faut aller en couche généreuse pour bien protéger, faire une bonne pellicule protectrice. Autant quand on est avec des imprégnations, donc on entend souvent parler de l'azur, etc., on va aller là plutôt en fine couche, puisque ça va pénétrer, mais de l'ordre d'un millimètre, peut-être deux dans les bois, suivant la densité des bois, mais ça pénètre très très faiblement. Et du coup, ben, l'huile et l'eau n'étant pas miscibles, ben, tout simplement, ça va hydrofuger les bois, et si vous faites tomber de l'eau, vous verrez qu'elle va déperler, elle va déperler. Donc là, on va être en intérieur, on va distinguer l'intérieur de l'extérieur. Pour l'intérieur, on entend souvent parler d'huile dure, mais on peut aussi utiliser des lasures, des huiles éclaircissantes, des huiles de cire. L'idée, c'est que là, on vient apporter des huiles qui sont souvent pas ou peu teintées, mais on peut aussi quand même apporter de la couleur. Alors, moi, ce que j'appelle dans ma gamme, ce qu'on appelle les lasures, parce qu'il en existe des fumigènes, hein, on est bien sur des imprégnations qui vont s'appliquer en deux couches en intérieur. Et là, en fait, ce qui va être important, si vous décidez de traiter vos sols justement avec des imprégnations et notamment des huiles dures, ça va être de bien identifier votre bois. Un Douglas, on en a beaucoup parlé ce matin, un Douglas va avoir tendance à rougir, notamment avec des huiles dures, celles qui sont faites avec de l'huile de lin. Je vous ai peut-être déjà appliqué de l'huile de lin, essence de térébenthine, sur des tables, sur des chaises, etc. Généralement, le bois va avoir tendance à foncer un petit peu. Donc, il va prendre une teinte miel, voire une teinte miel très soutenue. Donc, il faut le savoir. Donc, bien identifier son essence de bois. Un Douglas va rougir. Un peuplier, un frêne, c'est des bois qui vont avoir tendance à jaunir. Et ensuite, ben, les chênes, les châtaigniers, ça va prendre une teinte miel et faire ressortir fortement les veines et les nœuds des bois. Voilà. Donc, huile dure pour l'intérieur, ça peut être des huiles éclaircissantes. Ça va être la même chose mais avec un peu de pigment blanc quand on veut garder son bois très très blanc. Et on peut y adjoindre des petits pigments aussi couleur crème, qui sont un peu la couleur des chênes et châtaigniers, si on veut garder des couleurs naturelles. Et puis, il existe des lasures ou des huiles de cire incolores.
Voilà. Alors en intérieur, ça pose pas de souci. On verra après que l'incolore en extérieur, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà. Il existe des teintes aussi, des fois, quand on veut teinter un parquet en gris, en blanc, qu'on va pouvoir appliquer en premier. Alors, on applique toujours un traitement de protection, donc huile dure, huile cire, huile éclaircissante, etc. Toutes les huiles qu'on va venir appliquer, c'est toujours sur un bois poncé, sec, sain, vraiment bien dépoussiéré. Les soucis peuvent venir de là. C'est que si le bois a été ciré, huilé ou quoi, alors c'est vrai que c'est toujours ingrat, mais il faudra poncer. Vraiment, il faudra poncer, sans quoi le produit ne pénétrera pas et ça restera en surface et il faudra tout enlever et tout recommencer. Voilà. Donc avec des huiles, vous voyez, naturelles, on va pouvoir parfaitement bien traiter, protéger ces bois intérieurs, que ce soit des meubles, que ce soit des parquets, ou que ce soit bien sûr des murs, des lambris, on va pouvoir les appliquer. Ça s'applique en deux couches comme une peinture, tout simplement. Certaines huiles plus épaisses peuvent demander à ce qu'elles soient amassées pour bien faire pénétrer. Dans ces cas-là, généralement, ça s'applique en une passe et après il faut masser. Sinon, la plupart du temps, c'est en deux fines couches, 24 heures entre les couches, et on va avoir une protection hydrofuge. Là, on n'a pas besoin de se protéger contre les UV puisqu'on est à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure pour l'extérieur. Ce qui est important, donc, c'est bien identifier quel bois je veux traiter, de quel est mon bois, que ce soit le sol, les meubles ou des murs ou un lambris. Quel rendu je veux, c'est ça le plus important. C'est de dire voilà, comment je souhaite après que soit mon bois après l'avoir traité. Et on trouvera toujours... toujours le produit qui ira dans ce sens. Et voilà, vraiment, on part de l'essence de bois et de votre du souhait, du résultat final que vous voulez obtenir. Vous allez y vivre, vous allez voir ça tous les jours. Donc il faut, voilà, penser, c'est embêtant. Donc il faut vraiment bien savoir ce que l'on souhaite. Et puis après, nous, on vous aidera à choisir parmi les couleurs. Alors, justement, si on veut apporter de la couleur, on va pouvoir utiliser... pour le coup aussi des lasures, ce que j'appelle des lasures, donc voilà, encore une fois, des lasures qui sont des imprégnations, hein, pas des filmogènes, et qui vont faire aussi donc la transition avec l'extérieur, puisque les lasures peuvent s'appliquer aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et elles sont teintées. Donc là-bas sur le stand, je vais peut-être aller les chercher si vous voulez, j'ai des nuanciers, ou sinon on pourra s'avancer, où on a vraiment un choix de couleurs qui est très 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 important. Et on peut contre-typer quand même pas mal aussi de couleurs. Voilà. Donc les lasures en intérieur s'appliquent comme les huiles dures, comme une peinture, en deux couches. Les huiles dures, les lasures, comme les peintures, je vais y venir, en intérieur, s'appliquent en deux passes. 24 heures d'intervalle. Voilà, fine couche, et on a fini, on est tranquille là. Alors, en sol, comme je disais, ça va dépendre en fait de l'usage, et autant sur les murs, bon, généralement, on part pour plus de 10 ans, enfin minimum, puisque bon, a priori, il n'y a pas d'usure, quoi. En tout cas, pas d'usure mécanique. Huile dure, huile cire, toutes les huiles dont je vous ai parlé, les lasures, sont des produits qui vont vous permettre de continuer à voir la veine du bois. Ce n'est pas opacifiant. Même si on met des pigments, on va faire comme une céruse, on va teinter le bois, le pigment va teinter le bois en vert, en bleu, en jaune, en rouge, peu importe, mais on va continuer à voir la veine du bois. Et là aussi, évidemment, tous les pigments sont des pigments naturels, souvent des ocres, et on va pouvoir apporter comme ça de la couleur sur les murs ou sur un lambris, une pièce sombre, et eh bien par exemple sur un lambris, on va pouvoir mettre un lambris, une glaçure blanche et apporter de la couleur. Et puis après, il y a les peintures. Les peintures, donc comme les lasures peuvent s'appliquer en extérieur, là les peintures, on va avoir quelque chose de très opacifiant. Alors sur les peintures, on a plusieurs possibilités, des peintures prêtes à l'emploi, donc on a une série qui s'appelle les peintures de campagne, qui sont très couvrantes. On peut faire un effet essuyé, c'est-à-dire qu'après avoir appliqué avec un chiffon, on va passer, et finalement, on va être entre la lasure, où on voit très bien les veines et les nœuds du bois,
et la peinture qui est totalement impacifiable, juste par un jeu d'application en faisant un essuyer avec un chiffon. Sinon, une peinture a pour vocation d'être vraiment opacifiante. Et là, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on ne voit plus du tout la veine du bois. Et on va voir quelque chose là qui va être lavable, lessivable, beaucoup plus résistant et qui va permettre donc d'avoir des surfaces plus uniformes et avec des couleurs. Et là aussi, il y a une variété de couleurs très très importante. Donc évidemment, toutes ces peintures sont faites avec des huiles végétales, des huiles naturelles. Pareil, on y apporte de la charge. La scie est beaucoup plus forte que moi. On va apporter un peu de charge minérale pour apporter de la couvrance, et pareil, des pigments naturels pour couvrir. Voilà. Donc, on peut acheter des produits prêts à l'emploi, et puis on peut aussi s'amuser à se les formuler soi-même. Et là, ça devient un peu de la chimie ou de la pâtisserie, et on va pouvoir s'amuser à se formuler soi-même ces peintures. Soit faire un chaulage. Alors, le chaulage, il faut faire attention, c'est juste de l'eau, de la chaux, on va venir... Là, ça peut être des fois un peu délicat, parce que la chaux peut très vite, suivant comment on l'applique, fariner un peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer, vous allez en avoir plein les mains. Donc ça peut être un peu embêtant, c'est moins grave si c'est un plafond, ça peut être embêtant sur les murs. Et puis après, il y a la peinture à la farine, ou la peinture suédoise. Je ne sais pas si voilà, vous avez peut-être certainement entendu parler. Ça, c'est génial, ça coûte pas cher, ça se fabrique hyper facilement. Vous prenez de la farine alimentaire, de l'huile de lin, enfin, sur notre site internet, il y a la recette, elle est en libre accès, vous pouvez y aller, des ocres, et ça c'est... Alors vous allez tuer une casserole pour la faire, mais c'est une peinture qui se fait cuire, mais ça c'est magnifique, vous faites une première, vous préparez, donc il faut faire cuire, il y a vraiment toute une recette, vraiment ne négligez aucune étape, c'est vraiment de la pâtisserie, quoi, c'est vraiment... Il ne faut pas écouter le temps de cuisson, il ne faut pas en rajouter un petit peu plus ou en enlever un petit peu, il faut vraiment respecter la recette, sinon elle ne tiendra pas. Mais par contre, quand on l'a réussi, il suffit juste de bien respecter la recette, ça c'est magique. Vous faites une première passe sur un bois, je le répète, sain, sec, etc., bien poncé, hein, il ne faut pas qu'il y ait d'autres produits. Ça tient 10 ans, et au bout de ça tient un an, au bout de un an, vous faites votre deuxième passe, et après la deuxième passe, c'est 10 ans. Ça tient vraiment très 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 bien, voilà. Donc c'est de la cuisine, mais ça fonctionne très très bien. Comme les lasures, comme les peintures de campagne ou la peinture suédoise, voilà, ces trois-là, je viens de le dire, bon, on peut les appliquer à l'intérieur, il n'y a aucun souci, et on peut aussi les appliquer en extérieur. Voilà, et ça résiste vraiment bien aux intempéries. Pour l'extérieur, on va avoir à gérer d'autres soucis. En intérieur, je disais, on n'a pas de problème d'intempéries, a priori, sinon c'est grave, il y a d'autres soucis à gérer. Malgré tout, même s'il y a des baies vitrées, etc., on va avoir assez peu en intérieur à lutter contre le soleil et ses UV. Donc, on va rencontrer d'autres problématiques en extérieur. En extérieur, on va pouvoir aussi utiliser des huiles, on va pouvoir utiliser des lasures, donc des imprégnations, on va pouvoir utiliser des peintures de campagne, de la peinture suédoise qu'on peut se fabriquer soi-même. Simplement, on va devoir en mettre un peu plus. Les lasures, on va devoir les faire en trois passes. Généralement, et je parle sous couvert des professionnels, un bois neuf, on lui laisse un petit peu de temps, on ne vient pas toujours le lasurer tout de suite. Je crois qu'il faut lui laisser un petit peu de temps pour dégraisser, pour laisser un peu sortir les résines sur certains bois. Voilà. Et puis après, ben, on vient appliquer sa lasure. Donc les lasures, encore une fois, des imprégnations faites avec des huiles de lin, avec des huiles végétales, puisque vraiment l'idée c'est qu'on ne travaille qu'avec des produits naturels, des pigments naturels aussi, et on va appliquer ça en trois passes. Souvent on dit je veux quelque chose de plus naturel, c'est logique, c'est pour ça qu'on vient pour prendre ces produits, et quoi de plus naturel que la couleur du bois? Sauf que ce qui va faire briser le bois, ce qui va le détériorer, ce sont les UV. Ce qui veut dire que si vous mettez une lasure incolore, vous allez au-devant de contraintes, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, c'est que ce soit pour un bardage, que ce soit pour une terrasse, vous mettez une lasure incolore,
Et si vous voulez que ça soit toujours nickel, c'est tous les 6 mois, il faut y repasser. Et je parle des produits naturels, écologiques, de produits qui n'ont pas de produits chimiques ou autre chose. Moi, je parle de ma gamme de produits sur des produits qui ne vont pas contenir de pigments, qui sont totalement translucides. Il faut savoir qu'on va, tous les 6 mois à 1 an, si on veut que ça soit nickel, aussi bien une terrasse qu'un bardage, devoir y revenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pigments. Et ce sont les pigments en fait, qui vont faire une barrière aux UV et qui vont éviter au bois de griser, qui vont éviter au bois de changer de teinte et le maintenir dans la couleur. C'est pour ça qu'aussi en lasure, du coup, on fait 3 couches pour être sûr que ce soit bien, bien protégé. En peinture suédoise, ça sera 2 passes, comme j'ai dit. Une passe, on attend 1 an, on fait sa 2e passe. Normalement, on est tranquille 10 ans. Et puis, je dis normalement, parce que ce soit une lasure, une peinture, c'est comme le fût du canon dans le sketch de Fernand Reynaud, c'est un certain temps. Parce que moi je vois au magasin, on a une avancée de toit qui évidemment ne prend ni le soleil ni les intempéries, que ce soit la pluie ou autre, c'est comme ça a été fait il y a 10 ans. Et puis là maintenant, bombardage, lui, il est bien fatigué, parce que justement, il prend le soleil, parce qu'il prend les intempéries, et j'aurais même dû le faire déjà depuis 1 an ou 2. Bon, j'ai un peu laissé traîner, mais voilà, c'est-à-dire que quelque chose qui a été appliqué exactement au même moment ne va pas vieillir de la même manière suivant comment il va être exposé aux intempéries. C'est là que c'est bien aussi d'avoir des produits non filmogènes, parce qu'un produit filmogène peut avoir tendance à faïencer, à craqueler, c'est-à-dire que la pellicule qui est sur le dessus, elle ne va pas forcément s'estomper, elle va avoir tendance un peu à se craqueler. Et là, ça veut dire ponçage obligatoire. Alors, je connais une entreprise qui fait ça très bien, Boissière, qui saura vous remettre votre bois nickel. Mais voilà, il faut savoir qu'un produit filmogène, c'est pour ça que nous, on préfère partir. C'est pour ça que, voilà, on aime les produits naturels, les produits écologiques. Autant un vernis, un vitrificateur, un intérieur, bon, pourquoi pas, ça peut se gérer. Sur un bardage, quand il faut tout reponcer, l'échafaudage, etc., c'est un travail énorme. Il y a des artisans qui font ça très bien, encore une fois. Mais voilà, l'avantage, c'est que le même artisan peut simplement venir pour un petit égrenage et repasser de la lasure et vous repartez pour une certaine durée là aussi, puisque, comme je disais, filmogène sur filmogène, ça ne marche pas. Il faut penser pour retrouver la fibre du bois. Un saturateur, en tout cas les écologiques, les gammes que je propose, hein, qui sont des imprégnations, des saturations, des saturateurs, pardon, vous égrenez et puis vous allez pouvoir réappliquer votre lasure dessus sans problème. Dans les saturateurs, il faut faire attention, il en existe, les imprégnations, hein, il en existe de 2 sortes. Il y a les végétales, les imprégnations végétales, donc huile de lin, huile de soja, etc. Et il y a du minéral. Vous avez par exemple une marque de très très bonne qualité, des produits très écologiques qui s'appelle Keim. Keim, c'est des super produits. Par contre, il faut surtout pas mettre ça sur des menuiseries. Parce que là, c'est du silicate de potassium, de la silice, qui est mélangé avec de l'eau, des pigments naturels, aussi encore une fois des ocres. Et vous allez appliquer ça sur des bardages. Ils garantissent la teinte 10 ans. On est vraiment pareil, c'est dans le même esprit que la peinture suédoise. On est sur du minéral et on est sur des produits de très très belles tenues, de très belles couleurs, de très bonne qualité. Ils garantissent la teinte 10 ans, vous l'écrivez, hein. Donc on est vraiment sur des super produits. Sauf que le minéral, quand il fait sa prise, vu qu'il pénètre dans le bois, puisqu'il pénètre en très fine couche, hein, c'est un petit millimètre sur le dessus du bois, pas plus, il crée une tension. Sur un bardage qui est vissé, ça pose pas de souci. Sur des menuiseries, ça peut parfois un peu la voiler, créer des tensions qui peuvent parfois un peu voiler les menuiseries. Voilà. Donc, Pour les bardages, on va être en 3 couches sur des lasures, on va être en 2 couches sur des peintures. Généralement, je préconise plutôt des imprégnations que, encore une fois, des produits filmogènes, on a bien compris, tout simplement, le jour où il faut y revenir, c'est beaucoup plus simple à repréparer son support avant de refaire un traitement. Pour terminer, les huiles de terrasse. Les huiles de terrasse, c'est des produits spécifiques parce que il prend le soleil toute la journée. C'est un peu comme quand on est à la plage, qu'on est allongé sous le soleil. On a tout de suite très très chaud et il suffit qu'on se redresse
pour ressentir un petit peu les courants d'air au bord de la plage et avoir moins chaud. Pourtant, on est pile au même endroit. Et puis en plus, les terrasses, on y marche dessus, on y court dessus pour qu'il y ait une piscine, pour qu'il y ait des meubles, etc. Donc là aussi, on va avoir des produits, je dirais, avec la même mécanique, hein, en tout cas. Nous, on propose des imprégnations avec différentes couleurs qui s'appliquent là aussi en deux passes. Ce sont des huiles essentiellement composées avec de l'huile de lin, là aussi avec des pigments. C'est une lasure, c'est une huile, donc une imprégnation. Ça veut dire que là aussi, bien sûr, on garde la beauté du bois et on voit toujours les nœuds, les veines du bois. On ne perd pas toute la noblesse, toute la beauté du bois. C'est un peu dommage parfois. Alors autant sur les menuiseries, c'est pas choquant, mais sur une terrasse, je trouve ça tellement beau, une terrasse en bois. Là aussi, et encore plus que sur les bardages, encore plus que sur des menuiseries, des produits pigmentés pour que ça dure le plus longtemps possible. Là, sur une terrasse, c'est clair, net et précis. Là, nous, on a eu un projet. Le fabricant était là, c'est une très très grande terrasse qui faisait 200 mètres. On a bien dit au propriétaire, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, hein, il voulait quelque chose de totalement incolore. Très très belle terrasse en Douglas, il voulait de l'incolore, ok, mais c'est tous les 6 mois, il faut le savoir. Et après vous verrez, il y a des teintes, de très jolies teintes, et là vous êtes tranquille pour 3, 4, 5, 6 ans, toujours pareil. Est-ce que la terrasse est un peu ombragée? Pas du tout. Voilà, donc vous voyez que ce soit contre des parasites ou pour se protéger des intempéries, que ce soit en intérieur ou que ce soit en extérieur, avec des produits naturels, des produits écologiques biosourcés. Biosourcés, ça veut dire issus soit d'origine végétale, soit d'origine animale. Je pense à la laine de mouton, mais on parlera tout à l'heure des isolants. Avec du végétal, de l'huile de lin, de l'huile de soja, des pigments naturels, des ocres, etc. On arrive à faire de très très belles protections qui vont durer, qui seront faciles à retraiter dans la durée et qui vont très très bien protéger vos bois. Voilà, j'ai été Baba. Je ne sais pas s'il y a des questions, oui. Pour les terrasses, l'imprégnation, vous avez dit en deux passes. Oui. Donc oui. Ça sera aussi à un an d'intervalle ou alors Alors non, la seule et unique pour laquelle il va y avoir un an d'intervalle entre la première et la deuxième passe, c'est la peinture suédoise. Pour tout le reste, c'est 3 passes pour les bardages et 2 passes pour les sols, 24 heures d'intervalle. Fine couche, on ne charge pas, fine couche. Alors ni trop peu bien sûr, mais fine couche, 24 heures d'intervalle, que ce soit pour les sols ou pour des peintures, si on part sur des peintures. Voilà. Il n'y a que la peinture suédoise qui doit attendre un an avant d'avoir la deuxième couche. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Un grand merci à Jean-Christian de ton intervention. On va faire la transition vers une conférence qui porte sur la menuiserie. On est dans l'étang, Thierry, c'est bon pour vous. Donc par rapport à Maison Éco-Naturelle, je ne sais pas si tu as fait le lien sur le fait d'avoir les produits en dépôt sur le Sud Aveyron. Tu n'as pas fait le lien, donc je le fais. Donc on a convenu d'un accord commercial pour être dépositaire des produits commercialisés par la Maison Éco-Naturelle sur Liujas et sur Albi, de faire le lien commercial avec un dépôt sur notre magasin de Millau, ce qui va permettre à la fois de venir retirer des produits commandés en ligne ou directement au magasin, de venir les retirer sur le magasin de Millau, et également venir chercher des produits qui sont référencés en stock chez nous, directement dans notre magasin. Donc c'est le lien commercial intelligent qui nous permet essentiellement de proposer des produits que nous on ne commercialisait pas, qu'on ne maîtrise pas forcément non plus, avec des gens qui sont spécialisés dans la matière. Donc c'est des organisations comme celle-ci qui nous permet à tous d'avancer intelligemment et de faire notre métier au mieux que possible. Voilà, donc c'est un accord récent, mais ça nous permet d'avancer ensemble et d'avoir une carte de Sud Aveyron. Voilà, merci. Merci. Thierry. Simon.
c'est ce qu'on a fait, nous. Simon, le temps de la mise en place, où vous êtes? Menuiserie. Donc Thierry, notre partenaire, qui représente notre partenaire industriel en fabrication de menuiserie, bois, aluminium, PVC, qui va nous parler d'une gamme de menuiserie innovante. On te laisse la main, Thierry. Bonjour à tous, Thierry, donc du groupe Millet. Millet Industries, je ne sais pas si certains vous connaissez un petit peu cette société. Hein ? Ça fait plaisir de le savoir. Voilà. Rapidement, pour vous expliquer un peu ce qu'est le groupe Millet, donc c'est une boîte qui existe depuis 1946, qui est une boîte familiale, et qui est toujours gouvernée par la famille Millet, l'entreprise Millet. On en est aujourd'hui à la troisième génération. Vous avez une petite photo, vous avez quatre personnes, vous avez le père et les trois fils. Voilà. Au milieu, ben, le plus âgé, c'est le père, et après, c'est la famille. Eux qui s'occupent, le cadet, de gérer l'intégralité du groupe. Le plus âgé, qui lui, il est à la partie financière, c'est le porte-monnaie. Et le plus jeune, lui, il n'aime pas trop les fenêtres, il s'occupe des camions. Parce qu'on livre nous-mêmes avec notre propre flotte de camions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est grosso modo 50 000 m² de surface de production. On a encore augmenté, parce qu'on vient encore de racheter une usine supplémentaire. Donc c'est un groupe assez important sur le truc. Il y a marqué 800 collaborateurs. À aujourd'hui, on n'est plus à ce chiffre-là, on est quasiment à 1000. Voilà. Rapidement, je ne vais pas tout vous passer, c'est juste pour vous dire un petit peu la genèse du groupe. 1946, Camille, qui était le grand-père, qui était un menuisier, scieur de long, charpentier, qui faisait un petit peu de tout dans le village, a démarré son entreprise de menuiserie. Un de ses fils a repris l'ensemble et petit à petit, il a construit l'histoire du groupe. Avec chaque année, différentes choses qui se sont greffées. D'abord le bois, comme beaucoup d'industriels, on a démarré par la menuiserie bois. Après, il s'est intégré le PVC, après l'aluminium et en avant, l'histoire du groupe est partie. On a une société qui s'appelle Cibois, qui font des murs aussi à ossature au bois. Alors on n'est pas du tout concurrent à l'entreprise boissière, parce que c'est des marchés totalement différents. On est vraiment sur des très très gros marchés. Et là, dernièrement, je l'ai appris il y a quoi, une dizaine de jours, on vient de récupérer Paris La Défense, un chantier qui va nous prendre à peu près 2 ans de travail en ossature au bois, lié, on va dire, aux Jeux Olympiques qui vont arriver sur Paris. Donc pour vous dire l'identité du groupe, on ne fait pas que de la fenêtre, mais on fait aussi l'ensemble global du bâtiment. Voilà. Nos missions, nos valeurs sont toujours été les mêmes depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. La qualité de nos produits, on met tout en œuvre pour que nos produits répondent aux demandes de nos clients au niveau de la qualité. L'innovation, c'est ce qui est, on va dire, le leitmotiv du groupe Millet, c'est innover, innover, innover. Vous allez le voir juste après, je vais vous faire voir un nouveau produit. Ou comme on dit souvent avec nos nouveaux clients, vous connaissez la menuiserie aujourd'hui. Maintenant, on va vous expliquer, nous, Millet, ce qu'est la menuiserie de demain. On est beaucoup, beaucoup sur cette particularité-là d'innovation. Voilà. Service et satisfaction. Après, ce sont des choses qu'on amène à nos clients, du service. C'est bien beau de vendre une fenêtre, mais il faut quand même aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Le design, on inclut aussi la partie design au niveau de nos fenêtres, puisqu'aujourd'hui, une fenêtre, c'est plus quelque chose qui bouche un trou. Ça va faire partie de la, on va dire, de l'esthétique globale de l'habitation, que ce soit une maison, un agrandissement, une maison en ceinture au bois, un immeuble, peu importe, ça fait vraiment partie maintenant de l'esthétique globale du bâtiment. Et après, l'environnement. Alors c'est vrai que je vois tous mes collègues, ils ont parlé de bois, tout ça, moi je vous en parlerai peut-être un petit peu moins, même si on fait du bois, mais on a toujours tout mis en œuvre au niveau de l'environnement chez nous. Pour un exemple tout bête, toutes nos usines sont sur une base HQE, ossature au bois, récupération des eaux de pluie, toiture végétalisée. Tous nos camions de transport travaillent au diester. Donc on essaye au maximum de mettre en avant l'environnement au sec. Là, je vous passe rapidement, c'est l'intégralité du groupe Millet. Toutes les différentes. On a une particularité, on a une usine. Nous, comme commerciaux, on aimerait tous aller travailler dans cette usine-là.
elle est toujours en France, mais c'est sur l'île de la Réunion. On amène ici de la production sur l'île de la Réunion. Voilà l'ensemble de notre groupe, comme je vous disais, cette site de production. Comme ce matin, mes collègues Vivre en Bois qui disaient qu'il était sur la région nantaise, mais nous, on est pareil sur la même région nantaise, puisque le siège social est à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Sept sites de production un petit peu partout en France. Nous en avons un huitième depuis peu du côté de Caen, puisque nous avons investi dans une nouvelle unité de fabrication bois. Le bois, chez nous, est un produit qui est en progression. Pour vous dire tout simplement, le PVC, depuis quelques années, est sur un même niveau de fabrication en quantité. L'alu progresse, mais le bois progresse aussi. Donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour nous. Nous avons mis en place tout un tas de process pour accompagner nos clients. Nous avons mis en place ce que nous on appelle des M-Centers, ce sont des centres de formation. En permanence, on met en avant la formation, les produits évoluent, les techniques évoluent, tout un tas de choses évoluent. Donc on a souvent nos clients qui viennent, un jour, deux jours, trois jours, peu importe, qui viennent dans nos centres de formation, où on parle l'intégralité de la fenêtre liée à son environnement. Logistique intégrée, comme je vous disais, je passe rapidement les photos. Des fenêtres multiples matériaux, coulissant mural simple et double. En plus, c'est les produits que vous avez disposés dans leur magasin. Vous verrez la petite dernière, la simple, elle porte vraiment son nom, c'est celle-là dont je vais vous parler, pour vous dire vraiment ce que c'est la nouveauté chez nous. Nous sommes capables de fabriquer de la simple, de la fenêtre PVC, de la fenêtre bois, de la fenêtre multimatériaux, des portes d'entrée à Lumix, des coulissants, et nous sommes totalement, totalement concepteurs de nos gammes, de A jusqu'à Z. Voilà rapidement l'ensemble de nos produits, mais je ne vais pas rentrer dedans. Et après, c'est tout un tas d'outils d'accompagnement qu'on amène à nos clients. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là pour l'instant. Non. Voilà, je vais vous parler d'un nouveau concept de menuiserie. Aujourd'hui, vous connaissiez la menuiserie bois, PVC, aluminium. Je vais surtout parler sur l'aluminium. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle dans les termes techniques la gamme frappe. Frappe, c'est une fenêtre de vantaux. On appelle ça en aluminium de la frappe. Dans la frappe, maintenant, on parle de plus en plus d'ouvrant caché. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrant caché. C'est-à-dire de l'extérieur, vous ne voyez que le dormant de la fenêtre. La partie qui s'ouvre, vous ne la voyez pas. C'est ce qu'on appelle de l'ouvrant caché. Voilà. Ce qui permet d'avoir des menuiseries beaucoup plus lumineuses. On avoir ce qu'on appelle le clair de vitrage beaucoup plus grand. La simple, le concept de la simple, c'est, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin. Aujourd'hui, nos menuiseries, nos confrères pareil, on arrive à avoir maintenant des menuiseries performantes. On a été obligé d'augmenter la performance de nos fenêtres par rapport au RT. RT 2005 d'une certaine époque, 2010, 2020, etc. Aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau de performance, mais la demande qu'il y a aujourd'hui, c'est la performance, vous l'avez, mais ce qu'on veut, c'est plus de clair de vitrage. Presque, je dirais, d'avoir plus large, plus haut, mais plus fin. C'est à peu près les tendances actuelles. Le seul problème, avec le bois, c'est compliqué. Le PVC, on le met de côté. Et l'alu, il en arrive à ses limites. Si en alu, on veut faire plus large, plus haut, on ne pourra pas faire plus fin. Donc on a développé un produit, on est parti d'une feuille blanche sur ces bases-là et on a développé le produit simple. Je vais vous expliquer, vous allez voir une petite vidéo rapide qui va vous expliquer la genèse du développement de ce produit-là. Ça passe pas. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas passer. La télé s'est mise en quoi ? Thank you.
La vidéo ne veut pas se lancer. J'ai un souci technique. On va la faire différemment. Il ne prend pas les vidéos. J'ai la vidéo qui démarre. Ouais, il n'y a pas de signal. C'est une vidéo YouTube. Non mais le son c'est pas grave. Ça a dégagé. On va redémarrer, voilà. Donc, la genèse de la simple. Une fenêtre telle que vous connaissez actuellement, l'ouvrant, le dormant, les pommelles qui permettent d'ouvrir ou de fermer. Invisible. On a rendu le produit quasiment invisible. Les charnières, c'est ce qu'on appelle les pommelles, on les a fait disparaître. Le dormant que vous avez sur le côté, c'est pas beau, on l'a fait disparaître. La partie centrale. Couleur, menuiserie au niveau de la poignée. Fine, c'est pas terminé. Profil central de la menuiserie, ce que tout le monde voit, il y a la pommelle, il est passé à 60 mm. 45 mm d'ouvrant. C'est la menuiserie la plus fine du marché actuel. Ouvrant en acier soudé. Vous avez la première menuiserie avec un dormant, donc la partie qu'on fixe sur le mur, et les ouvrants en acier. Ce qui permet d'avoir de grandes dimensions, avoir de la largeur. Le cadre qui est ouvrant ici fait 45 mm. Une 2 vantaux, une 3 vantaux, et c'est pas terminé, une 4 vantaux. L'effet totalement verrière avec des masses et le profil totalement fines. C'est la menuiserie la plus fine du marché. On va y revenir dessus. Voilà. Aujourd'hui, nous vous présentons une fenêtre qui est un cadre. C'est un cadre photo avec votre paysage derrière. Là, vous avez une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre inventaille. Une poignée qui ouvre un ventail. Le cadre que vous voyez ici fait 45 mm de large. Extérieurement, vous avez exactement la même taille. Et imaginez cette fenêtre-là, qui est capable de supporter les dimensions 1,50 m de large par 1,60 m de haut. Vous ne voyez plus le dormant, vous ne voyez plus les pommelles. Je dirais presque que la poignée elle est invisible, parce qu'elle est toujours de la couleur de la menuiserie. Vous êtes sur du vitrage, double vitrage, 4,24, peu importe. Hyper performante, UW1,2, qui est une valeur la plus basse qu'on peut retrouver sur de l'aluminium. Totalement étanche, un produit actuel, et qui va aussi bien pour du neuf, pour de la rénovation, sur des chantiers en ossature au bois, sur du béton. Imaginez une vieille maison en embrasure avec de la belle pierre, de la belle couleur, de la luminosité. C'est aujourd'hui un produit vraiment dormant caché. Ça n'existe pas ailleurs. Tout le monde, plus ou moins, en aluminium, est capable de faire de l'ouvrant caché. Mais faire du dormant caché avec de l'ouvrant caché, nous sommes les seuls capables à aujourd'hui de vous amener ce produit-là. Charnière invisible, qui dit charnière invisible, on ne voit plus les pommelles. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très esthétique. Et l'avantage de la charnière, c'est elle qui permet de supporter des poids très lourds. Poignée couleur de la menuiserie, c'est de l'esthétique. Profil central de 60 mm. 35% plus fin que le standard du marché. Jusqu'à aujourd'hui, le meilleur a arrivé à peine à 87 mm d'épaisseur. Quand on dit le profil central, c'est l'endroit où vous avez la poignée. Nous,
c'est 6 cm. On ne peut pas descendre plus bas parce qu'après on ne peut même plus mettre la poignée. Ou la quincaillerie qui va avec. Donc vraiment au niveau du vitrage, imaginez une menuiserie beaucoup plus lumineuse. Beaucoup, beaucoup plus lumineuse. Ouvrant de 45. Ouvrant en acier soudé. Pourquoi l'acier ? Ben, l'acier, il n'a que des avantages. On soude, on ne voit pas la coupure. Tout industriel aluminium, on a tous, on va dire entre parenthèses, le même défaut. Plus ou moins accentué, ce qu'on appelle sur la partie ouvrante de la fenêtre, la coupe à 45. L'aluminium bord à bord, un jour vous êtes bon, un jour vous êtes moins bon. Mais c'est très complexe à avoir toujours une coupe droite. L'avantage de l'acier, c'est terminé. L'autre avantage de l'acier, c'est que ça ne va jamais bouger. Votre menuiserie ne va jamais s'ouvrir. Vous aurez toujours quelque chose de stable dans le temps. Presque, je dirais, pas garanti à vie, mais pas loin. Pas loin. Et possibilité de grande dimension. Imaginez 900 de large, donc 90 cm, par 2700 d'euros, un seul ventail. Je ne pense pas qu'on va en faire tous les jours, mais il y aura la possibilité de faire de belles choses. Pour les gens, surtout qu'aujourd'hui, on veut avoir de l'espace, on veut avoir de la visibilité, on veut voir les paysages, toutes ces choses-là. Le produit est vraiment adapté à ça. Voilà la technique. Je ne vais pas rentrer à fond dans la technique, le but n'est pas là. Bon, on voit très bien la partie de l'ouvrant qui est en acier. La rupture de pont thermique, comme vous avez sur de l'aluminium, pareil, hein, puisque quand même, vous avez de la rupture de pont thermique, et l'aluminium à l'extérieur. Et une chose que tous, plus ou moins, vous connaissez, les performances, le UW, on en parlait tous avec les Crivienco, tout ça, UW1-2. Je suis en acier aluminium, je suis plus performant que d'une menuiserie PVC. Pourtant, on est sur des matériaux totalement différents. Sa petite sœur, il y en a une qui existe, qui n'est plus à dormant caché, parce que là, vous voyez de nouveau les pommelles, tout ça. Elle est plus adaptée au marché de la rénovation par rapport à des techniques de pose. Mais elle a exactement les mêmes performances et tout, rien ne change. Sauf que là, vous avez des ailes de recouvrement, vous avez des pommelles, on est plus sur de la charnière. Ça permet dans certains chantiers de passer sur ce type de produit. Puisque chaque produit, même s'il est hyper innovant, il y a des fois des contraintes qui sont liées à la pose. Donc nous, quand même, on a pensé à toutes les contraintes liées à la pose. Donc ce produit-là est adapté dans tout type de chantier. On retrouve le même profil central de 6 cm, x 5, toujours le même ouvrant, toujours en ouvrant un acier soudé. On peut aller un petit peu moins haut, parce que c'est plus de la charnière, c'est de la pommelle. On ne peut aller qu'à 2,35 m, c'est déjà pas mal. Dans cette gamme-là, on est même capable de vous sortir des portes d'entrée vitrées, donc avec des vitrages sécurites, avec des possibilités d'avoir des vitrages déco à motif céramique. Donc on est aussi capable de faire de la fenêtre, de la porte-fenêtre, mais en même temps de vous amener de la porte d'entrée. Donc d'avoir vraiment une gamme totalement esthétique. Différents modèles de porte d'entrée qu'on puisse vous amener. Voilà. Le produit simple. Vous l'avez là, je vous invite à venir regarder. À l'étage chez Boissière, vous avez même une expo complète des produits. Donc ce produit-là, il est totalement représenté. Je crois qu'il y a de la porte-fenêtre, il y a de la fenêtre en bataille, il y a de l'allège, il y a de tout. Voilà. Donc vous avez tous les produits. Et si vous avez des questions, ben, je suis à même à vous y répondre. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus lourde. C'est pour ça qu'on va travailler sur des charnières, celles qu'on appelle à dormant caché. La charnière permet justement de supporter le poids. Et sur les pommelles, on travaille sur des pommelles, c'est-à-dire sur la plus classique, celle que vous avez là. Ce sont des pommelles un peu plus résistantes. Voilà. Mais si après, dans certains cas, mais là ce sont nos abacs de fabrication qui vont vous le dire, dès qu'on va arriver à une certaine taille, il est conseillé, on vous conseillera plutôt de passer sur de l'ouvrant, de l'OB qu'on appelle, de l'oscillobattant. Parce que l'avantage de l'oscillobattant, on rajoute des compas supplémentaires qui en même temps permet de supporter le poids de l'ouvrant. Mais là, c'est des choses qui se font techniquement, automatiquement. Mais il n'y a aucun souci. Toutes nos menuiseries sont passées au CSTB. Elles sont toutes certifiées. On est NF, CSTB, classement 1V. Toutes les informations là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, après...
alu. En comparaison entre l'alu et alu acier, c'est... Quelle différence? Juste au niveau du poids de la muselière, pas du... Elle sera plus lourde, l'acier est un peu plus lourd, même si on travaille sur des masses d'acier un peu plus fines, mais elle sera un petit peu plus lourde. Mais tout ça, après nous, est travaillé techniquement. Ah, elle est tenue. Oui, après, oui, c'est la contrainte de rouler sur la route. Il faut, c'est pas compliqué, c'est des choses qu'il faut demander. Faire, on va dire, ben voilà, je veux tel type de fenêtre, de coulissant, de fenêtre. On calcule les points et on vous les donne. Et c'est vrai que l'acier va être un peu plus lourd. Mais vous dire à peu près, c'est la première fois qu'on me demande ça. Surtout sur de la twin. Non, après on peut demander au bureau d'études CIB, avec les différentes menuiseries de même taille, voir les poids, les répartitions. Et directement, c'est pas la menuiserie qui va peser le coup. C'est le vitrage. C'est le vitrage. C'est le vitrage. Il y a d'autres questions? Donc merci, merci Thierry, merci à notre partenaire CIB d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette manifestation. Si vous souhaitez en voir un petit peu plus, il y a la gamme de menuiserie dont il vous a parlé, la gamme simple qui est en exposition avec des coupes de principe, donc ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, quoi dire de plus, tu te tiens à disposition tout l'après-midi si besoin. Merci Thierry. Donc après, pour la conférence suivante, il va falloir patienter à peu près 3 quarts d'heure, c'est à partir de 16h. À partir de 16h, avec de nouveau la maison éco-naturelle, où on va présenter l'ensemble des isolants biosourcés, fibres de bois, ouates de cellulose et chambres, etc. Hein? Donc à partir de 16h avec la maison éco-naturelle. Donc je vous laisse faire un tour, venir également vous rafraîchir si besoin. Il y a de quoi grignoter et boire un coup. Voilà, merci à tout le monde de votre présence. Avoir choisi l'Aveyron, pourquoi avoir choisi le bois et être rapproché de l'entreprise boissière, quelles étaient les ambitions de ce projet, de votre projet sur le Larzac? Oui, bien, nous avions un projet sur le Larzac puisque nous avions un terrain constructible, sensibilisé à la maison en bois par nos convictions écologiques. Nous étions abonnés, nous sommes toujours abonnés. Nous sommes abonnés à une revue qui concerne la maison, qui s'appelle La Maison écologique, qui nous a sensibilisés pendant pas mal d'années sur les constructions à ossature au bois en particulier. On avait aussi une sensibilisation sur les maisons à ossature au bois par nos voyages, plusieurs voyages que nous avons fait en Scandinavie, en Europe du Nord, où là-haut il y a énormément de maisons à ossature au bois. Nous voulions faire une maison aussi à la carte, c'est-à-dire que nous avons, à partir du moment où nous avons eu envie de faire un projet de maison à ossature au bois,
nous avons contacté plusieurs constructeurs dans la région, dans l'Hérault et dans l'Aveyron. À ce moment-là, on s'est retrouvé assez vite coincé par des contraintes techniques, je pense, parce que certains constructeurs ne voulaient pas donner suite à nos prétentions, quoi, à nos projets. Et quand nous avons contacté donc Frédéric ou les maisons Boissière et Fils, à ce moment-là, tout était possible. C'était vraiment les maisons quand même à la carte. Autant par l'architecture que par la technique de construction, les épaisseurs d'isolant, tout était possible. Voilà, en gros, notre sensibilisation aux maisons en bois a débuté il y a assez longtemps déjà. Et on a vécu une sorte de réalisation d'un rêve qui nous a, et ça s'est très bien passé. Voilà. Merci pour ce témoignage. Vous avez passé avec ton épouse déjà un premier hiver sur cette maison et un premier été. Comment se comporte la maison au niveau thermique, au niveau bioclimatique, en termes d'isolation, en termes de confort, de bien-être à l'intérieur? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, la maison est bioclimatique, c'est-à-dire qu'elle utilise tout ce que nous procure la nature en chaleur, en réfrigération l'été. Il n'y a pas très longtemps que nous habitons la maison, mais on a pu s'apercevoir que cet été, en refroidissant la maison la nuit par des courants d'air et en occultant les parties solaires, la chaleur solaire dans la journée, la maison est très fraîche. Durant tout l'été, elle a été très fraîche. On n'a pas dépassé les 24 degrés, 25 degrés dans la maison. C'est pas mal. Pour l'hiver, on a essayé aussi ça pendant le confinement. Et on a vu que l'isolation au froid est géniale, quoi. Dès qu'il y a du soleil, les baies vitrées au sud réchauffent la maison dans la journée. Et puis après, dans la nuit, l'isolant fait le reste. On a eu des contraintes de vent aussi. On est soumis à des vents du sud parfois assez violents et la maison se comporte très bien parce qu'à la base on voulait une maison totalement en Douglas. Donc ossature et bardage à Douglas. On avait d'autres constructeurs qui nous proposaient des maisons avec des ossatures en épicéa qui ne nous convenaient pas. La maison se comporte bien aussi de ce côté-là. Dans l'ensemble, c'est chouette. On peut dire que pour 19 degrés dans cette maison en bois, le confort est excellent. On va parfois boire l'apéritif, j'allais dire. On va rendre visite à nos voisins qui ont une maison traditionnelle, qui a une quinzaine d'années. Et quand il y a 19 degrés chez eux, c'est bien moins confortable que chez nous pour le même 19 degrés. Voilà, c'est très agréable. Oui, c'est sûr, effectivement, on n'a pas la sensation de paroi froide qu'on peut trouver sur de la maison parfois traditionnelle. Avec la même température d'ambiance, on se sent mieux du fait de ne pas avoir les parois avec une température bien moindre. Donc merci en tous les cas, Gilles, pour ce témoignage, pour avoir fait confiance à l'entreprise Boissière et à toute l'équipe Boissière. Et longue vie dans cette nouvelle demeure sur le Larzac. Merci beaucoup. Merci. Ouais.